Albert II de Monaco est sur le trône de la principauté depuis 2005 et la mort de son père régnait. S'il a encore devant lui de nombreuses années de règne, sa succession est bien évidemment déjà prévue. Le prince a cependant récemment décidé d'y apporter une modification passée inaperçue, mais repérée par Closer dans l'une des ordonnances souveraines émises par le palais. L'une de ces ordonnances, datant de juin 2015, établissait que le conjoint du souverain, en l'occurrence la princesse Charlène, était en charge de la régence en cas de disparition de celui-ci, si le prince héréditaire est mineur au moment du décès ou de l'abdication du prince régnant, la régence est, dans le premier cas, exercée par le conjoint du prince défunt ou, à défaut, par l'héritier majeur le plus proche de lui dans l'ordre successoral. Cependant, une nouvelle ordonnance, en date du 29 juillet 2022 et repérée par Closer, vient changer la donne. Dans celle-ci, il est précisé que s'il est désormais un conseil de régence qui doit assurer la transition jusqu'à ce que le prince héréditaire Jacques, le fils d'Albert, soit en âge de régner, si le prince héréditaire est mineur au moment du décès ou de l'abdication du prince régnant, la régence est exercée par le conseil de régence. Si cette ordonnance a comme conséquence que la princesse Charlène prendrait la tête de ce conseil de régence, elle serait néanmoins entourée de sept autres personnes, composition du conseil de régence de la principauté de Monaco, le conjoint du prince régnant non séparé de droit ou de fait, présidente le président du conseil de la couronne le secrétaire d'état le président du conseil d'état quatre personnes nommées par décision souveraine Albert de Monaco, à quel âge son fils Jacques pourrait-il lui succéder? La principauté de Monaco connaîtra une période de régence si le prince Albert demeure ou se retrouve dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions avant la majorité de son fils Jacques. Il faut en effet que le prince héréditaire atteigne l'âge de 18 ans pour pouvoir prétendre à succéder à son père. Le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène ont eu deux enfants, Jacques et Gabriella, jumeaux nés le 10 décembre 2014. Le prince Jacques aura donc 18 ans à la fin de l'année 2032. On your